Il a sorti Pioline au premier tour. Il va jouer Agassi dans moins de 2 heures. Bref, il va se retrouver sous les feux de la rampe et ça n'a pas l'air de le contrarier. Enfin, en apparence. Bon, pour l'instant, ça va, quoi. Je suis pas trop tendu. En fait, je suis un petit peu tendu déjà, mais non, je crois pas. J'en sais rien, en fait. Je vais faire mon match tranquille et puis je verrai bien ce qui se passe. Je vais m'accrocher comme un rat sur tous les points. Et puis, bon, de toute manière, il est plus fort que moi normalement. S'il gagne, ben, bravo à lui et puis voilà. Lorsqu'on est français, 82e au classement mondial, Roland-Garros est déjà particulier. Mais pour Arnaud Clément, aujourd'hui, tout est exceptionnel. Pour la première fois, il va jouer sur le central, avec en face un Agassi superstar, revenu à son meilleur niveau. Pour la première fois également, il va disputer un match du second tour. Bref, faire bonne figure dans ce contexte, ça ne va pas être simple. D'ailleurs, dans le premier set, Agassi est en démonstration. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Et il réduit son adversaire au rang de simple marathonien. 10 essuie-glaces plus tard, Clément est mené 6-2. Ouais, il m'a pris à la gorge tout de suite, il faisait pas trop de fautes et tout, il était bien. Ouais, y avait rien à dire, quoi. Il aurait même pu peut-être le gagner plus facilement, peut-être. L'orage passé, la timidité dissipée, Clément va alors inverser la tendance. Coureur exceptionnel, infatigable relanceur, Arnaud se transforme en un cogneur de fond de cours et Agassi se retrouve dans le rôle de l'arroseur arrosé. Maintenant, c'est lui qui court. Arnaud Clément remporte second set 6-4 dans un style agassien. À ce moment-là, le français survolté, il multiplie les coups gagnants et il empoche dans la foulée le troisième set sans appel, 6-2. La partie est acharnée, chaque point est âprement disputé. Certains jeux durent même plus de 20 minutes. C'est jusqu'à présent le match le plus spectaculaire du tournoi. Clément va même se retrouver à 2 points du match, mais Agassi va puiser dans ses dernières ressources pour arracher le quatrième set, 7-5. Clément a laissé passer sa chance. À bout de force, il s'écroule dans la dernière manche et encaisse un sévère 6-0. Arnaud avait peur d'être ridicule, il a fait trembler Agassi. Et à défaut d'avoir remporté la victoire, il a gagné la reconnaissance du public et du champion.